On vient garder, et on sait que des gens qui là pour vol de téléphone, pour voir de faire, pour tu bagailles jouet. Je te dis plus que 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans en prison. Je te parle, je passe nos consignes, nous exécuter. Non seulement nous exécuter avec la loi en main. Donc, nous avons 48 personnes déjà libérées, 48 qui déjà libérées. Je nous sorti déjà en dedans, combattre les transports préventifs prolongés, pas camper. Demain matin, nous sommes là pour faire le même travail. Comme nous te connaissons, depuis hier, nous sommes là pour nous regarder, pour nous voir qui est ce qui est capable de libérer dans le souci qui a gagné pour combattre la détention préventive prolongée. Ce n'est pas une décision qui nous prend pour compte, non. En tant que commissaire du gouvernement, nous sommes nos commissaires du gouvernement. Mais la justice là, c'est nos instructions. Merci. Deuxième bagage, c'est que le commissaire gouvernement a installé, il était dit que la combat de détention préventive prolongée. Et puis, le professeur était ouvert deux bras pour l'accompagner. Et dans le cas d'accompagnement, c'est que dans le premier moment, OPC était là dans toute visite que l'a fait dans le commissariat, il y a plus de monde qui était libéré. Je dis à la tour, pendant que lui en la pénitentiaire nationale, OPC là toujours pour accompagner pour question de détention préventive prolongée. Et dans le cas ça, nous avons proposé un ensemble de listes. Et dans la liste, nous avons environ 57 personnes. Et dans 57 personnes, il y a plusieurs personnes qui sont libérés. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas passer commissaire Lourdes, c'est une recommandation. Parce que nous-mêmes nous préoccupons par la détention préventive prolongée, tout comme que le CG lui-même lui était préoccupé et il était fait comme cheval de bataille. C'est dans le cadre de ça que nous-mêmes nous là et que OPC là lui-même l'a accompagné. Et OPC avec directive, M. René Edouville, docteur René Edouville, il est là pour l'accompagner, tout ça qui est de positif. Et dans le cadre de ça, il était pas nous toute instruction que pour nous-mêmes nous travaillons avec et parquet pour nous être capables. Oui, dans la mesure du possible que pour des gens qui ont des délits mineurs. Je veux dire, c'est des vols de saumon, des vols de téléphone, qui ont 3, 4, 5 ans qui sont en prison. C'est des gens qui ont libéré. Et c'est des gens qui ont libéré depuis hier. Je dis à la, hier c'est 3, je dis à c'est environ 45. Et demain, à bien on l'autre liste. Environ 100 personnes capables de libérer. Et les gens qui ont libéré, ce n'est pas des gens qui ont de très grandes infractions. C'est des gens qui ont des infractions mineures. Et si vous avez jugé, vous avez été libéré déjà. C'est-à-dire que la préoccupation que le docteur René Pouville là, lui-même, il commençait à participer. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons bagarré. Mais ça, ce n'est pas là que nous voulons vivre. Parce que l'autre monde qui est dans la prison, il faut nous libérer. Tout le monde qui est dans la prison, il faut au moins que vous capable de connaître qui l'a que vous-même vous pouvez aller. Que vous condamnez à 10, 15 ans, à 3 ans, au moins faut vous connaître. Et là, nous avons un CGA que nous voulons un peu de respect pour lui, que lui-même la travaille, et que le travail là, nous allons dans le bon sens du terme, que pour nous encourager lui, que lui, pour lui pas travailler pour l'autre bail. Mais il y a des gens qui ont 10 ans, qui ont de l'autre infraction, des gens qui ont se perdu, que nous prétendons que pour qu'il y ait que pour faire une commission qui est capable de reconstituer tout le dossier, que pour, tout le monde soit capable de fixer sous son par eux. Si on mérite libéré, mais si on mérite que pour que j'ai peigné, que vous j'ai peigné. Mais toujours est-il que dans le respect des droits humains, que pour moi, au moins, il y a une garantie. Et garantie à quelqu'un que les passe par le procès. C'est ça que l'OPC lui-même les connaît, c'est ça que nous-mêmes, en OPC, que nous-mêmes. Alors, comment ça, c'est pour faire un air ou de la continuer? Non, la continuer parce que et demain matin, nous là encore, après que nous allons visiter et tout notre commissariat, nous allons passer dans le semi-école, nous allons passer dans la prison FIO, nous allons passer tout côté que nous connaissons, nous allons passer. Alors, demain, ça va libérer. Est-ce que vous avez une chance déjà pendant le moment où vous êtes dans la prison pour passer devant le juge? C'est moi qui ne pas passer devant le juge. C'est moi qui ne supporte pas. Parce que vous ne pouvez pas libérer au monde que vous allez même le supporter le juge d'instruction. Vous pouvez libérer le parquet lui-même. Il y a des attributions, il y a tout le bail qu'on a parlé, mais le principe de séparation de fonction, c'est que le parquet n'est pas capable d'interférer en dedans au dossier que le juge de son gain. C'est-à-dire que le parquet a agi dans des dossiers qui ont
des délits mineurs que si nous avons condamné qui en attente de jugement, que les gens ne pas de chance passer devant le juge naturel et ils ont même libéré. Et c'est des gens que nous-mêmes nous sommes capables, si nous sommes là, nous avons constaté, c'est des gens qui ont au moins 3-4 ans en prison pendant que c'est un vol de téléphone, vol de saumon. Elle dit que Mounsaro est déjà libéré. C'est Mounsaro qui est libéré. Okay. Alors, un mot pour le commissaire dans le démarche ça. Pour le commissaire là, continuez comme ça. Et puis, le commissaire avec lui, le docteur René Joké l'a avec lui. Vous pensez? Non, pas. Alors, avant de nous aller, et bien, c'est le. Salutations avec tous les fidèles abonnés. Nous sommes capables de constater la zone internet. Actuellement, là, nous trouvons devant le cimetière de Port-au-Prince, côté que le commissaire gouvernement, avec Elder Guillaume, a une grâce qu'il a fait pour fin d'année. Là, je dis à la sous deuxième jour, il souhaite faire parler ensemble avec nous. Côté que lui fait connaître, il y a 48 personnes qui sont déjà libérées. Non, moment la fait grâce à la lui fait connait que monde ça qui libéré c'est monde qui libéré pour vol de téléphone qui même qui libéré sans que yo pas même connait pour qui ça été arrêté yo c'est dans cadre d'un objectif ça fait année commissaire Elder Guillaume a pas gracié plusieurs monde la libéré yo dans dans pénitencier national Jacques est capable constater là là commissaire lui même qui saute faut parler ensemble avec nous c'est internaute.